Hey, salut les petits clous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Faille Paradox avec une ETB. Oui, voici les 9 boosters, la carte promo qui est là, qu'on vous a déjà présenté de toute façon. Donc j'ai passé l'intro, le petit code pour les boosters, pour l'ETB tout simplement, le coffret des dresseurs d'élite. Donc 9 boosters à sourire. Déjà pour commencer, pour les 700, 800, 900 abonnés, bien sûr, il y aura un pack récompense pour les gagnants, pour 3 gagnants en tout cas. Je fais gagner toujours 3 personnes. Mais ils pourront choisir aussi de prendre un impact des destins à la place du pack récompense. Donc ça peut toujours être sympa à la place du pack récompense d'avoir un booster impact des destins. Vous voyez, ils sont scellés, ils sont tout neufs. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc voilà, c'est la nouvelle info pour les 700, 600 et 800 abonnés, 900 bien sûr, donc 700, 800, 900 abonnés. Je vais y arriver parce que pour les 1000 abonnés, c'est l'Ultra Premium Dracaufeu ou l'Ultra Premium Mew. Voilà, on y est arrivé. Par contre aussi, il y a, je voulais parler de Cédric Cid qui a gagné donc le concours pour avoir du Lorcana. Donc il suffit de prendre rendez-vous sur Discord, Cédric, si possible. Allez, un petit code pour vous, Faille Paradox. On est parti. Alors, le Groudon, on l'a déjà, mais si on peut le revoir, parce que c'est l'une des cartes la plus chère d'extension qui a explosé, là. C'est vraiment la carte qui explose en ce moment. Et après, si on peut avoir ces petites alternatives de garde de fer et du Dratak aussi, je crois que c'est Rugilune, voilà, et Crémeux, et ben, on prendra, parce qu'elle nous manque, celle-là. Candine, Attrape, Riposte. On a encore une ETB à ouvrir après celle-là. Donc, mais vendredi, on va s'ouvrir surtout le coffret Lugia de, comment ça veut dire, de Zénith Suprême. Je vais y arriver. Donc vendredi, ça sera l'ouverture du coffret Lugia de Zénith Suprême. Bon, Zénith Suprême, je l'ai fini, la série est finie, mais il me reste toujours ce coffret à ouvrir. Et ça changera un peu de Faille Paradox, que là, on va manger surtout du Faille Paradox, vu qu'il n'y a rien qui sort. Normalement jusqu'à fin janvier, donc Faille Paradox, on va en manger un peu là maintenant. Donc voilà, on espère taper du lourd vendredi dans du Zénith Suprême. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui en demandent encore du Zénith Suprême, qui n'ont pas fini. Et moi, tout ce que j'aurai vendredi, ben, ça ira à l'échange ou à la vente de toute façon, parce que je les ai toutes. Baby Manta, Feuillajou, Capsule d'énergie, Booster du Temps Futur, Hurlequeue, Hôte de Fer, Fermite en reverse, en espérant avoir du lourd quand même dans cette ETB. Ce lutin, une petite, ou pas, je crois que je l'ai déjà eu la dernière fois. Bon, c'est une full art, on va pas se plaindre, mais je crois que c'est celle-là qu'on a eu la dernière fois, il me semble bien. Donc ça va pas boucher un trou dans le classeur en tout cas. Voilà, on a mis dans le décor un petit Dracaufeu, un petit Reptincelle là. C'est des doubles qui vont partir dans la famille, celle-là. Pour l'instant, elles sont encore dans le décor, mais elles ne vont pas y rester très longtemps. Allez, troisième booster. On veut des petites aères là, s'il vous plaît, sauf Kipou. Posipi, qu'on nous a eu la dernière fois. En aère, Compagnol. Terracool, Mascadra, Capsule d'énergie, Booster du Temps Passé, Fer de Terre, Capidestre. Les aères vont se... C'est vraiment un truc de fou ces aères. Avec une trentaine d'aères dans l'extension, on n'arrive pas à en choper à chaque fois qu'on ouvre, on ouvre, on ouvre, on espère, mais à chaque fois il n'y en a pas quoi. C'est vraiment un truc de fou cette extension-là. Il n'y a vraiment pas d'arrière qui sort. Négapi, Stalgamin. Et dimanche, bien entendu, on sera la deuxième partie de la display. Donc normalement, il resterait encore une arrière, normalement, une alternative ou une gold, ou les deux même. Noacier, Plumeau Maudit, Astronel. Donc dimanche, on devrait s'ouvrir quelque chose de pas mal. Amacel. Reverse. Ça déprime un peu de ne pas ouvrir des arrières en tout cas. Là, on a ouvert 4 boosters. Bon, on a eu une full art, mais c'est vraiment pas les meilleurs.
mais vraiment pas les meilleurs. Hein. Allez. Où sont les grosses cartes? Grain dur. Où sont-elles cachées? Greek Note. En plus, là, c'est une... C'est les ETB que j'ai pris donc à King Jouet pendant la semaine où il faisait 50% sur le deuxième. Donc j'en ai profité pour prendre deux ETB, comme ça la deuxième ne m'a pas coûté bien cher. Donc ce qui brille là, on se doute que c'est vraiment une holo. Quand ça brille comme ça, en général c'est une holo. Vitalité de la professeuse Olim, Chakripan Reverse, donc il n'y a pas de... Il n'y a encore pas derrière et une holo derrière, forcément ça brillait. C'est quand ça brille pas qu'on peut dire qu'il y a quelque chose, mais là ça fait quand même 5 boosters. Ça commence à faire beaucoup là. Beaucoup qu'on n'a rien quoi. Il va falloir sortir quelque chose. Parce que Faille Paradox c'est bien beau, mais à fort nous donner des choses, s'il vous plaît. Chakripan, Poufouin, Grain dur, Grignote. Moto Rizard, Flamoutant, allez on veut un truc là s'il vous plaît, Nostanfer, on voudrait au moins 3 hits dans cet ETB si c'est possible, Neura Reverse c'est toujours bien, c'est une aire, ça y est on en a chopé une quand même, oh on les a pas ceux-là, alors là c'est très bien, voilà on les a pas, ça bouche un trou c'est très très bien, sauf Kipou, il y en a de partout, ça rime en plus. Voilà, une petite arrière, ça, ça fait plaisir. Et est-ce qu'il y a une full art comme dans les displays? Non. Suivant la provenance des cartes, vous voyez, il n'y a pas de... sur les ETB, il n'y a pas de full art derrière, alors que sur les displays, il y en a souvent une. Souvent une full art derrière. Donc, notre deuxième hit, en espérant en avoir un troisième. Trois boosters. On va pas faire trois boosters vides, quand même. Bon, déjà, on a chopé une arrière dans le... Dans le TB, c'est déjà pas mal. On va pas se plaindre, hein, parce qu'on a eu quand même une TB avec une AR. Allez, Krabicoque. Donc, Krabarak. C'est l'évolution, bien entendu. Onyx. Flotillon. Goupilou. Veste de défi. Délestin. Capsule technique énergisant spontanée. Morpeko Rariverse. Allez, pourquoi pas une deuxième? Ah, c'est trop demandé. Zébibron. Même pas d'ex derrière, un petit Stylix. Ah, il nous manque un petit hit encore, s'il vous plaît. Allez, allez. Drataka. Régilune. Donne-nous un petit truc, là, Régilune, s'il te plaît. Le booster de quoi sont... Pas facile à ouvrir, des fois on les ouvre bien, des fois on les ouvre moins bien. Allez, Arakdo. Là ça brille, donc on aura une holo à la fin. Vous voyez que ça brille sur le côté. Magby, Flamaroule, Porygon, Crocogrill, Tully, qu'on a eu en double la dernière fois, c'est très joli, une très jolie dresseuse full art. Oyakata, Forgella. Donc c'est là qu'il y a quelque chose, sinon il n'y aura rien. Eh bien il n'y aura rien dans ce booster à part la sœur parasol en reverse. Parce qu'on a vu que c'était qu'une holo avec Yu-Yu derrière. Aïe aïe aïe. Attends, on va faire un troisième. J'ai toujours eu des ETB à 3 hits, sauf une où il n'y en avait qu'une seule en off. Et il y avait Groudon dedans. Donc ça avait tout rattrapé, le Groudon avait tout rattrapé. Donc pour l'instant j'ai jamais fait d'ETB à 2. Ça n'est pas arrivé encore, ben, on va voir que ça peut arriver finalement, peut-être. Porygon, Octillery, Nosferapto, Astronel, Craparois, Cap Luxueuse, allez Posipi, si tu nous caches une dinguerie ou pas. Ah, une rare reverse, ah, dommage derrière. Oh, une petite full art. Oh, une petite ouverte avec la Chatrox, ça c'est très bien. Il me semble déjà l'avoir vu, mais c'est pas grave. On a eu nos 3 hits dans le TB. Jusqu'au dernier booster, on y a cru jusqu'au dernier booster. Et le dernier booster, bien entendu, il est là. Voilà, Kerchatrox en Terra Crystal.
Donc le cache en tant qu'extra cristal, très très belle carte. Et là, on va s'ouvrir deux blisters de Paldea pour finir. Donc Cédric, si tu passes par là, Cédric Cid, si tu passes par là, bien entendu, fais-toi connaître, te faire connaître sur le Discord ou mets un commentaire déjà pour dire que. Sinon, je peux rien t'envoyer si j'ai pas ton adresse. Allez, deux Paldea, on va aller essayer de chercher par contre un Paldea, ce Tyranocif qui m'échappe toujours. Voilà, j'ai dit à chaque vidéo, on pourra rajouter un ou deux boosters de Paldea pour essayer de chercher ce Tyranocif de temps en temps. J'ai presque 40 boosters de côté là, avec Clavel. Donc, on va essayer d'aller chercher ce Tyranocif. Je fais un petit peu de rangement pour pas mélanger les éditions. Un solo d'eau. Granuvel, le studio d'entraînement, Maturgeon, je n'arrive pas à l'enlever celle-là. Ganarbello, ouais, c'est un booster évolution ça. Très passable. Solucci, et derrière, bon, c'est des boosters qu'on veut pas ouvrir apparemment, hein, qu'il fallait les garder scellés celle-là. Mais bon, de toute façon, on va bien les ouvrir un jour. On va essayer de choper des dingueries sur ces séries, ça serait pas mal. Allez. Lixie. Lilithurel. Grondog. Parcoul. Grushia. On a eu des gens d'alternative dans cette édition-là. Colossinge. Magirev, le Tyranocif qui est là, hein. Mais est-ce que tu te caches derrière un autre Tyranocif? Et non. Oh, on a eu que des boosters. On a eu des boosters vite finalement. Allez, ça. On a eu une TB assez jolie, donc finalement, pourquoi pas. Bon, ben voilà, j'espère. En tout cas, ça vous aura plu. Écoutez, on a eu quand même 3 hits, pas des moindres, quand même deux foulards Terra Cristal, plus un petit sort qui pousse, c'est pas. C'est pas la grosse ouverture de l'ETB, mais on a eu quand même 3 hits sur l'ETB, donc c'est déjà pas mal. On espère faire des dingueries vendredi sur du Zénith Suprême, sur le coffret Lugia que j'ai toujours pas ouvert. Donc ça, c'est une exclusivité jouée club, je crois, à l'époque. Donc ça fait 3 mois que je l'ai, il y a tellement de poussière dessus qu'on va l'ouvrir, et en espérant avoir des dingueries. Allez, je vous dis à vendredi pour de nouvelles ouvertures, et salut les petits clous.